Voilà, donc ce qu'il faut retenir ici, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Et puis là, faut s'ouvrir un petit plus. Alors ça, je vous rappelle, c'est le monde intérieur. Alors que ça, c'est que de l'extérieur. Alors vous comprenez que plus on va avancer, plus l'extérieur va devenir merdique. C'est normal, la 3D est en train de mourir. Donc ça va être merdique, hein, cette affaire. Hein, si, ça va pleurer fort. Mais en même temps, ça va créer des soucis, là. Hein. Parce que, évidemment, une personne qui voit qu'elle a plus la mémoire ou qu'elle perd la mémoire ou qu'elle se rappelle plus de ceci, de cela, etc., va commencer à... Si elle s'enquille dans ses programmes involuants, je suis sûr que ça va être, entre guillemets, pour la sécu, une mauvaise affaire. Hein, mais une bonne affaire pour tout le corps médical. Parce que ça va... Elle va se mordre sur elle-même, et bien, puis voilà, quoi. Hein. Donc c'est pour ça que, ici... comme je l'avais dit dans une autre vidéo, ici c'est la véritable foi ici. Alors que ici, la foi dont on vous parle, c'est la foi des religions n'a rien à voir avec la véritable foi du cœur. La véritable foi du cœur, c'est que vous avez confiance en l'invisible et vous savez que vous êtes pris en main, mais il faut vous y abandonner. Il faut vous y abandonner. Si vous abandonnez pas, c'est-à-dire que votre mental ego prend toujours le dessus, eh bien vous ne pourrez pas vous en sortir. Si vous croyez vous en sortir par vos propres moyens comme ça, ouais, non mais parce que si t'es ça dégage, c'est normal. Une illusion dans l'illusion, vous imaginez bien. Ça n'a aucune possibilité de succès. À long terme, à moyen terme et à court terme, ça peut éventuellement. Mais de toute façon, ça ne tiendra pas dans le temps. C'est normal. D'accord ? Donc, toutes les personnes qui veulent s'en sortir, parce que moi, je reçois beaucoup d'emails de gens qui me disent « Ah, Didi Laurent, là, oui, je sais, je connais le chat de l'aiguille, tout ça, etc. » Mais là, bon, ça commence à me les gonfler sérieux, quand même. Ben ouais. Ça veut dire que tu restes toujours accroché à un truc ici, et tu tournes, et tu tournes, et tu tournes, et voilà. Et donc, tant que tu tourneras dans un truc, là, tu ne seras pas là. Et tant que tu n'es pas là, tu ne pourras pas être aidé.